Ben, nous sommes toujours le septième jour qui est le cinquième. Le seul truc potable à la télé, c'est j'irai dormir chez vous, le mec en Arménie. Là. C'est cool. Tu vois. Ah, des fois, c'est chaud son truc. Une fois, il est allé, je sais pas, chez les Chinois au Japon, ils ont pris un coup de saké, et ben, nous, là, mornifler qui s'est pris. J'aime bien ce mec. Bon, il y a encore une nouvelle loi planétaire pour le reformatage du disque mou qui ne sont pas connectés. Tu vois, quand même, il y en a vraiment marre. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Les trois monothéistes, là, déjà, c'est bon. C'est pas des guerres de religion, c'est des guerres de pouvoir et d'argent. Moi, je m'entends très bien avec les juifs, les noirs, les arabes, les tout ce que tu veux, les... tout. Les peuples, entre eux, ça marche très bien. C'est les gens du pouvoir qui vendent les armes et les guerres. C'est eux, le mal. C'est eux qui font scalper. C'est eux qui font couper la tête. Mais d'abord, ils signent. Ils lâchent tout le pognon, tout ce qu'ils ont gratté. Tu vois ? En fait, les mondains, tout ça, c'est vraiment de la merde, ça ne partage pas. Tu vois, comme tout à l'heure, j'étais en bas, je buvais ma bière. Le mec qui est venu, il m'a donné à peu près 80 centimes, j'ai rien demandé. Du coup, l'autre, il m'a donné 2 euros, j'ai rien demandé. Mais c'est toujours un moins pauvre qui donne un plus pauvre. Mais un riche, c'est toujours un gros enculé, il pense qu'au pognon, il n'a pas d'âme, celui-là. Et c'est au pouvoir, c'est Donald, c'est Macron, c'est Merkel. C'est Poutine. Je pense que c'est le même. Hein. La Corée, le machin, le truc. C'est bon. Dehors les ordures. C'est où qu'on va mettre à Sainte-Marie là? C'est où qu'on va mettre en, au goulag dans la bande à Gaza? Hein? Et après les autres ils partagent et vous allez tous vous faire enculer. Je vais fermer la fabrique de vaseline, c'est normal, ils ont jugé que... Il y a tellement bien enculé qu'il n'y a plus besoin de lubrifiant. Ça, c'est le pouvoir, ça s'appelle. Écoute-moi bien ce que je te dis. Je ne fais pas crise de Nice pour de la merde. Sûrement, mon cancer du larynx va m'emporter bientôt. J'ai jamais une thune, je suis pas un voleur, je suis pas un connard. Les mégots du parterre, hein, putain... Ça ramonne. Hein. Moi, je fume, je bois, je t'emmerde. C'est comme ça. Mais ça m'empêche pas d'être con. Et justement, si tous les gens buvaient un bon coup et fumaient un bon joint, putain, il y aurait la paix sur Terre. Ça fait penser à des trucs que tu peux pas penser quand t'es complètement clean. Pour t'ouvrir l'esprit, s'en servir d'outils. D'outils pour traverser l'espace-temps. Pour aller avant, derrière. C'est pour ça que j'ai 2 jours d'avance. Vous pouvez pas comprendre. Bonjour. C'est pas grave, j'ai vu Christian Vander, il dit mais ils comprennent rien à ce que je dis. Attends, je réfléchis. Magma. Non. Vous pouvez pas comprendre. Donc, par votre techno de merde, votre télé pourrie, votre rap de mes couilles, qu'est-ce que tu comprends de la vie? Tu connais quoi ta position de l'espace-temps, tu la connais d'où toi? Enfin voilà, c'était le volet numéro 3 pour la journée. Il a un bon délire ce mec. Il a une bonne gueule. Avec ses caméras pourries. Parce que les autres, ils peuvent croire qu'ils sont tout seuls, mais ils sont jamais tout seuls. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui filme. Voilà, voilà, c'était le volet 3 du soir. Du 5 juillet de l'an de grâce 2018. Du réveil de l'esprit de Men in Black 18. Il faut aller chercher le facteur.